Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, je vais vous expliquer comment programmer l'arrêt de votre ordinateur sur Windows 10 et Windows 11 du coup facilement et rapidement. Donc moi je vous laisse avec l'intro et la vidéo, bon visionnage. Très simple, il suffira d'aller ici, de taper CMD pour ouvrir l'invite de commande. Vous cliquez ici. Et une fois que vous avez ouvert votre invite de commande, vous allez taper la même commande que moi. Donc c'est shutdown-s-t. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des secondes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre convertir heure ou minute, ça dépend ce que vous voulez, en secondes. Voilà. Par exemple, je veux qu'il s'éteigne dans 8 minutes, donc c'est dans 480 secondes. Vous copiez ça. Ensuite, vous mettez ici 480 et vous faites entrer. Là, voilà, Windows va s'arrêter dans 8 minutes. Si vous voulez toutefois annuler cet arrêt, vous faites shutdown, comme moi, tirer A. Et ça va, voilà, l'arrêt planifié a été annulé. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que vous allez faire. Et une fois que le temps sera dépassé, et ben votre ordinateur va faire l'écran bleu avec arrêt en cours. Et votre ordinateur s'arrêtera tout seul. Voilà. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Pedro. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye.